D'abord. Voilà, ça c'est au cas où il y a un objet, tu vois. Là aussi, c'est un cul-de-sac. Mais au cas où il y a un objet, c'était bien d'y aller. Tu vois, en fait, ni... Ah, regarde vers le bas. Non, mais en fait, non, tu vas prendre des dégâts dessus, donc oublie. Mais en fait, sur la map, tu vois, on regarde, on dirait qu'il y a un cul-de-sac là et que là, il y a un chemin. C'est vrai, parce que mais là-bas, il y a un objet. Sur autre part, quoi. Une statue, là-bas, les gars. Et c'est après, là qu'on aimerait bien. Ah intéressant. Ce... Il y a une statue là. Oui, je sais qu'il y a une statue. Tu mais peux pas faire un méga saut de bourre. Non mais non mais. Ah est-ce que c'est comme. Ah ton... faut être une succube. Ah faut être une succube. Les succubes elles peuvent sauter. Oh je dégage. Je reviendrai. Je reviendrai. Oh merde. Je reviens. Bon voilà. Attends mais va voyage sur être. T'es où là? Je sais pas. Ah t'as respawné là où ils avaient du sexe infini. Je crois. C'est qu'il y a des succubes de fouet. Ah bah là, je suis mort là en fait. Oui. Ah, t'es mort. Ah, du coup, tu vas remonter comme une merde. Essaie de suivre les petites lueurs rouges. Ça te permettra de voir les démons. Les démons. Mais t'as dit que tu cherchais une succube. Mais il y en avait pas là où on était. Un démon. Mais tu pues. Au pire, je l'ai laissé me tuer, je l'ai pas ça. Par ça, pourquoi le nom du démon, le premier démon qu'on peut avoir, c'est genre un nom grec. C'est des noms grecs, à part ça, le principe du jeu est et un lore spécifique genre de justement me le prendre l'enfer qui c'est des grecs. Les gars, quand on y réfléchit, bah ça, de toute façon, oui. Enfin, genre à ce point-là, quoi, genre parce que Onekaios ou je sais pas quelle merde, c'est quoi par terre là. Je veux pas savoir. Terre. Oh merde. Ah, c'est ça, il y a complètement un enfer grec, et dans cet enfer grec, tu te fais complètement torturer. Non, mais je pense pas à un enfer grec, genre, je veux dire, en enfer chrétien, non. Ils utilisent du lore grec, tu vois. Enfin, non, il y a des noms grecs. Non, y'a pas, hein, c'est que du latin, quoi. Mais c'est bon, t'en fais pas, tu c'est parler. Quoi pour couper la respiration? C'est halt. C'est ça? Ça a pas marché. Halt, reste appuyé. C'est quoi halt? Mais t'es sérieux, c'est quoi halt? Bah, la touche, elle est halt. Non, mais. Cet homme qui sait pas ce que c'est qu'une touche. Bah ça marche pas avec lui. Il est pas con. Effectivement. C'est que ça. Bon, t'es mort. Bon. T'es mort en fait. Hein. En fait, tu vois là, tu n'existes plus. Ouais. Désolé, effectivement, Al, j'ai pas. Bon. Ouais, merci. Trouve une âme. Ah, elle veut plus. Ah bah, blocage. Je t'ai bloqué. Ta-na-na. Ah, en fait, mais il est vraiment codé ta-na-na. Avec la raie du cul ce jeu. Don't touch me. Quel tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Avant ça, c'était n'importe quoi. J'ai récupéré la statuette, elle s'est mise devant l'entrée, j'étais fucked up. C'est ça. T'étais fucked up. Tu m'as fucked up, gars, tu m'as fucked up. D'abord, t'es malheureux, mais c'est pas... misérable, aveugle, mais mec, pauvre et nu. Un. Putain, mais maintenant c'est le bébé qui est. Et a en plus, t'es un hérétique. Et en plus, t'es. Mais il est bugué. Ah, il est mort. Mais c'est vraiment ça, c'est. Tu peux rien prendre. Regarde, il est bugué. Mais oui, mais il est bugué, mais c'est le jeu qui est bugué. C'est hashtag la déception. En vrai, moi j'ai bien envie de mettre le jeu parce que franchement, niveau bugué, c'est important quand même de leur dire. Que ton jeu. Putain, mais ce bruit quoi. Ce bruit malsain. Quand même. Ah, non, tu regardes même plus. Ah, mais pas tout. Y'a pas que ça qu'à faire, hein. Allez, vas-y. Survie aux boules, aux testicules. Voilà, parfait. Excellent. Excellent. Ah, et plus vite. Ooh. Ah, Y. Oh, Y, Z. Oh, oh, l'alphabet. Reste à l'intérieur. T'es pas faute. Ah, c'est le cœur en fait. Il faut que tu lâches le cœur quelque part. Spoiler, c'était sur le truc de. Ouais, cool. Du coup, t'en fous, je pense, un de chaque côté. Bon, un pour chaque main, peut-être. C'est quoi, ça a pas l'air de réagir quand je. Pour citer un célèbre philosophe du Notorious. Comment tu t'es fait brain par le ah, truc! Ah, je suis passé. Ouais, t'es passé, mais c'est. Qu'est-ce que c'était que ça? Maintenant, je suis en sécurité. Ouais. C'était assez relatif, mais ouais. C'est un mot comme un autre. Je crois que tu vas. Moi, te faire chier, je pense que tu passes plutôt genre à gauche ou à droite d'un des deux, parce que sinon. Et ta mère! Voilà, par sécurité.
Non mais en plus ils insistent. Gars, c'est bon, je suis hors de portée là. Mais le gars, bouge, je sais pas. Mais je vais où? Saute. T'es tellement fucked up, gars. T'es tellement, genre, pas là où tu devrais être. C'est où, c'est là? La vie elle remonte, un de ces quatre ou... Bah, je me disais la même chose, ouais, genre. Alors t'es pas genre un petit peu bugué dans la mort. T'es pas genre. Ça se trouve que t'es mort en fait. Ça se trouve que t'es genre mort, mais personne le sait. Même pas toi. C'est ça. Genre, tu t'en rends pas compte. Est-ce que c'est un petit peu le principe du purgatoire? Mais là, en fait, t'es un peu plus bas du coup, le purgatoire. Je commence à être déjà en bon souvenir. Tout le monde se souvient de cette fameuse théorie de Majora's Mask. Il pèse en bas. Bah oui, c'est vrai. La théorie. Quand on y pense, c'est pas assez... Elle tient son truc, mais en même temps. Genre le côté Majora's Mask. Voilà, Link mort et Link fait son parcours dans le purgatoire. C'est vrai qu'en fait, quand tu vois les cinq étapes, etc., ça se tient en fait. Ouais, mais bon, ouais. C'est quand même. T'as le déni. Ah, mais c'est. D'accord. La colère. Ah, c'est des bonnes choses. C'est ce qu'on veut au fait. Le fait du coup de demi-tour, quoi. Parce que bon, t'en es. Mais il est où? Attends, c'est quoi? C'est. Mais rien en fait. Il y a forcément un truc. Le déni, la colère. Négociation. La négociation, merci. Attends, tu sais quoi? L'acceptation. Voilà! Voilà que j'aille là, putain. Ah, tu. Ah! Tu vas possiblement te faire. Bonjour madame! Démoniaquer. C'est quoi? Ça va? Oh le bot. Ouh, et lui, putain! Ils sont tous plaises. Salut! Ah, par contre, toi, tu vas me tuer, c'est ça? Alors, je pense pas. Je pense, elle, tu vois, elles se disent. Ouh, lui, oh, elle... oh là, oh là! Mais t'as pas de bite! Ah, alors. Ouh! T'as pas le ticket du club VIP. Ouh! Tu crois qu'en mode âme, tu peux genre tout petit peu comme ça vite fait? Ah! Est-ce qu'on va finir le live sur la note qu'il faut? En vrai, t'en penses quoi? Parce que là, on est pas loin de. Est-ce qu'on va finir le live sur la note qu'il faut? Sur l'intro? Non, pas sur l'intro. Sur notre DS. Oh, pourquoi tu nous as ramené là? Sur notre DS, Kaiser. Ah non, mais non, parce que du coup, c'est quand même des meilleurs. Non, là, on va se faire sacrifier là. À notre DS. Alors lui, il a l'air. Ah! Mais quand même! Alors eux, ils sont pas chers avec les couteaux sacrificiels, hein. Non, eux, c'est directement ça genre. Ça déconne zéro le sacrifice ici. Ma DS. Ah! C'est bon, ils ont enlevé une jambe. Voilà. Is that all you can do? You have to come up with amusement, not make me die of dizziness. Eh ben, on va poser ces trucs. Fais gaffe parce que tu peux vite perdre contrôle. Hein. Non, tu peux pas, tu sculpes pour l'instant. Si, on peut. Non, c'est des machins Covid que tu peux avoir. C'est pas des sculptes spécifiques. Bonjour madame! Genre, c'est pas la meuf, tu vois, c'est pas la meuf stylée, c'est la meuf qui a une bouche en forme de. Oh merde! Il va falloir que je cours. Ou tu sautes. Ah non! Ah non, mais si, il va sauter là! Bon, ok, je pouvais rien faire. Tu peux sauter, tu peux voler, pardon. Ah non. Donc en fait, t'es déchu non seulement de. Il baise en bas, bah oui. De là-haut. Ah! Fin du niveau! Chambre cachée 3 sur 19. C'est fin. Putain, du jeu. Ils sont longs les niveaux, what the fuck? Bah 5h le. 4h30 nos niveaux. Attends. Fin du jeu. Survécu 3h19. Il y a une God damn shit. Lettre putain. Et c'est pas là pour déconner, hein. Et voilà l'intro du jeu. Tel qu'on l'avait vu dans les premières images du jeu, c'est ça qu'on a vu. C'est ça, c'est le vrai début. Parce que ça c'était le tutoriel. Et oui, oh, salope. Alors elle se fait plaisir, mais à. 100% quoi. Ah, et en plus elle bouffe. Quand même, c'est quand même efficace hein. Ah, tous les plaisirs charnels. Parfait. J'aime bien le fait que la colonne vertébrale elle soit dehors. J'aime bien en fait ça, le fait que genre t'es des genre des ébauches d'elle, des débuts d'elle, tu vois. Parce que c'est pas encore une vraie Ah. Suis la prêtresse. Mais non, mais t'as ça. Gat, t'as littéralement marché sur le corps du mec en feu. J'ai pas vu qu'il était en feu. Pas de torche, si. Si, y'en a une. Oula. Et donc là, du coup, bah. Là, c'était fun, c'était marrant. Ah ouais, on est dans les fins fonds de l'enfer, là, en fait. On est dans les poubelles. Je crois qu'on a sauté de là-haut, non? Ou c'est moi qui bug? Ouais, on est dans les là où y a poubelles. Le soleil. Je sais pas comment on a survécu, les mais là, on est. Poubelles d'enfer. Putain, j'ai pas envie de savoir ce que c'est avec les poubelles d'enfer, hein. Ouais, c'est ça. C'est déjà que l'enfer lui-même, tu vois, niveau poubelle, c'est proche. Mais bien, ça ferait une bonne. Qu'est-ce que c'est que ça?
What the fuck? Kizor, il a pas hésité. Encore les trucs qui track. Bah ça va être ça tout le jeu, hein. Aussi longtemps qu'on sera damné. Ah oui, 100%. Ah parce qu'il y a un moment donné, on va arrêter d'être damné. Mais t'es ça, mes gars, t'es efficace quand même. Mais c'est quoi ce... Ah, en fait, ça fout tout le feu par terre. T'as pas été efficace. Ah mais le sol, c'est de l'huile. Non, en fait, t'as des plantes rouges sur le sol qui prennent feu. Ils sont un peu partout, du coup, tu fais plus lent. Ah, t'as pas cul, tu t'en fous, de toute manière tu peux l'éviter. Surtout que j'ai pas ma torche. Oh ta mère! Voilà, parfait. Puis il a vu l'araignée, hein. Je l'ai entrevu, mais pas. Ah, t'as. Lampe. Bueno. Il y avait une saloperie d'araignée. Eh, cool, les petites. Sa vulve à carnal. La reine nous attend dans sa tour. C'est comment pour l'instant? Les gars, je crois que j'ai fait une connerie. Je crois que j'ai fait une connerie. J'ai vu un personnage qui était assez marrant, en soi visuellement. Oh putain! T'as Suzy. Et le deuxième personnage qui boss. Je me souviens plus de son nom par contre, mais le prince. Voilà. Je me connerie. Vous croyez que l'araignée elle va attaquer les. Ouais, c'est bien avec le chat. Ouais, c'est super, c'est bien. Violet et vert, je crois. Oh ta mère. Le mec est violet et vert. Pourquoi tu cours en fait? Bah, parce que araignée, je sais pas, qui me fonce dessus. Mais le gars, t'as vu le niveau de marche qu'il a? Eh, en fait, tu regardes pas l'écran et tu me reproches des trucs que t'as pas vu. Non, ça, absolument. Je te dis qu'elle m'a couru dessus. Ouais, 100%. Et t'as des cousines, je crois. Et là, je crois que je suis mort parce que j'ai. Je suis allé dans un cul-de-sac. Elle a failli me buter deux fois. Je sais pas ce que ça me pensait quand tu dis ça, père. Si je m'arrête, je m'arrête. Si je m'arrête, gamin. Ouais, coffre. Non. Le mec, quoi, qui faisait savoir comme une merde. Mais à part ça, on aurait trop dû faire un montage de ça, en fait. Parce que. Bah oui, mais comment tu veux reproduire ça? Bah, on peut pas. Ah, mais ça attaque, c'est pas. Ah, c'est ça, les serpents. Mais c'est quoi? Dégage. En vrai, parce que on aurait fait un montage de ça, ça aurait vraiment été le montage. On dirait un petit peu, vite fait, Beetlejuice en vrai. Alors, serpents. Par là-bas. Ah, carrément. En fait. Ou... Non, pas par là-bas, il y a un serpent. Genre, le côté. En fait, oh c'est pas, putain. Mais c'est oh. Pas un Beetlejuice, c'est pas vraiment des serpents, c'est vraiment genre des lombrics. Ça va, gars? Ouais, c'est ça. Mais des gros lombrics. C'est clairement ça, ouais. Ouais, c'est vraiment ça. Il y a un checkpoint là. Non, mais y'a un truc de lombrique, mais t'as taille d'un serpent. Ouais, j'avoue. Vas-y. Je sens qu'elle me pénètre. Oh putain. Putain, mais c'est genre. Ah, ah d'accord. Ah, mais attendez, je prends ça. Voilà, c'est bon. C'est en moi, c'est, en fait, c'est la. We'll float too. You'll float too. You'll float too. On flotte tous en bas. C'est trop ça en vrai. C'est pas dans le premier film au moment où genre où ils voient tous les. Oui, c'est dans le premier film où ils voient tous les. Ouais, justement. Je sais pas où est passé ma torche. En fait, j'étais pas sûr si c'était. Il y a tous les enfants. Oh. En fait, j'étais pas sûr si c'était dans l'original, dans le film original ou dans le reboot. C'est ça le truc. J'ai oublié si c'était comme ça. Aïe. Trouve le chemin vers la tour de la déesse rouge. Bah c'est clairement ça. Bah en fait, appuie sur F au pire. J'ai cru que ça allait faire demi-tour en mode genre non, t'es pas sur bon chemin. Il y a un gros bruit là. Ouh. Wow. Salut toi. Ah mais je sais ce que c'est. Mais c'est ton exécuteur. Non. Il a un peu la gueule ton exécuteur quand même. Hein. C'est ce qu'on devient, on absorbe du sang de démon. Non, c'est plus de 3 mètres ça quand même. Hein. Ah, je sais pas, c'est pas loin des 3 mètres j'ai l'impression. 4-5. 3-4. Peut-être que lui il a vraiment pas sauté à son petit déjeuner. Merde. C'est ça. Je pense bien ça. Ah là là. Elle a tombé tellement vite. Regarde. Itak qui est témoin de ce que la reine a fait. De quoi? Ah non, c'est une statue. Attends, c'est tellement stylé. Regarde, j'aimerais bien ça en fait. C'est quoi ça? Les os? Non, la statuette. Non, mais Laura elle dit ça pour te faire plaisir. Bah, hein. Vas-y. Tu prends les dégâts, je sais pas. C'était... Sous le conseil de Kama, j'ai pris les dés. Oh. Quoi? Bon conseil de Kama. Quel est le. Comment je t'ai fait brille le game? Comment je t'ai fait péter le jeu? À part ça, on a complètement cassé le jeu là. 100%. En fait, elle m'a éjecté, puis j'ai pris la statuette au vol. Putain, mais t'es Indiana Jones en vrai? Alors, par là. Façon, le jeu il est cassé. Je vais littéralement faire le saut en fait. Le jeu il est cassé. Parfait. Là. Regarde, là.
C'est vraiment... Mais maman, le jeu il est cassé. Ah c'est... Mais maman, le jeu il est... Le jeu il est cassé. Attends, je suis pas. Le feu éternel. Mais... C'est pas plutôt la fournaise éternelle. Mais c'est carrément The Witcher ça. Pourquoi? Bah, le feu éternel. Ah bah... Ça vient de Witcher là? Ah oui. Attends, ah, brûlez tous dans la chaleur du feu éternel. Après, le feu éternel, tu vois, genre c'est, ah, mais c'est assez prévu. Quand même général, tu sais. Mais oui, mais le feu éternel, faire. C'est legit. Non, le feu éternel. J'ai pas sursauté, d'accord. Oui, bien sûr. Non, mais on a pas eu, t'en fais pas. C'est la chaise qui était passée. Waouh, la taille de la tentacule. Ah ouais. Ah oui, d'accord, mais bonjour Cthulhu. Ça c'était la prêtresse. Non non, c'est une succube ça. En fait, vous avez remarqué que c'est marqué une chance de posséder un ono... Onoskelis, ça s'appelle ces trucs là. C'est pas les succubes, ça, en fait. 100% grec. Les succubes qu'on a vu, c'est celles qui avaient encore le visage et la voix grave. Ça, c'est... Tu vois, c'est genre pas du tout et ce que j'ai dit. Mais ça sans détail, tu sais. Comme ça. Pardon. C'est surtout pas la même espèce. Ça. C'est pas ce que je vois pas depuis le début, mais bon. Tu ne t'écoutes pas, je ne t'écoute pas, tout c'est va bien. Tu sais. Salut toi. Salut moi, c'est Jupiter. Ouais, regarde le bout de sa queue. Ah, mais c'est en fait, c'est un proboscis. Un proboscis. Agressif la canarie. Ah, oh, c'est une mâchoire géante. Du coup, son pote il est en haut. Enfin, l'autre moitié. Et où la tour? Elle est là. Putain, on s'est rapproché beaucoup. On termine le live sur la Red Goddess. Ah, on. Faudra pouvoir y arriver. Ouais, enfin, ça dépend. Un truc par là. C'est vrai que si j'avais la rouge, au côté du prince. Si j'ai mis la DS rouge, on la voit dans 3 heures. Non, on la verra pas en 3 heures, on va à sa tour là. Wow. Oui, oui, allez. Je suis tendu, les charnes est brisé. Balek, c'est quoi ce truc vert? Et ta vie? Bah, c'est rien. Bah. D'accord. Bah, ça va marcher. Intrigant, qu'est-ce que. Oh! Ah! Intrigant. Ah! Je suis le triant. Ah! C'est des yeux verts! Putain! Qu'est-ce que c'est des ouvriers? Ah! Ah merde. Salut! Ça va? Ah, mais non, mais. Il est désarmé, les gars? T'as envie? Oh! Bah, oui! En plus, il y a un serpent. Putain, c'est trop bien fait! C'est vraiment cool! Ah! Ah! Sérieusement! Il y va comme ça! D'accord, c'est le gardien du pont en fait. C'est le gardien du pont. Et je fais comment? Juste fait, bah, explore d'autres endroits. Explore d'autres choix. C'est bon, ce crâne il y avait une corne. Et sale pute! Oh. Ce crâne il y a carrément une... Ça, c'est carrément une corne sur le crâne géant là. En bas. Mais. Ah! Du coup, continue. Oh fuck! Wow! Eh, bien évité. Reste en vie quand même, parce que c'est peut-être pas encore. T'as pas encore le temps fais de. Gaffe. Oh. Araignée, serpent, j'ai eu la totale là. Je sais pas où je dois aller, hein. J'ai pas le temps de regarder où je vais. Non, mais... Au pire, fais le. Je crois que c'est bon, Italie. Fais la croyance et puis on verra quoi. Pour ça, l'espénard. Go gauche. D'abord. Bonjour. T'as pas dans la grotte des prêtresses. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps de niaiser. Il faut rentrer dans la grotte des prêtresses. C'est bien. Pas le temps de niaiser. Pas le temps de niaiser là. Eh bien Dieu. Colis. Tabernac. Tabernac. En ça, pancake, ça, ça sert à quoi en vrai ces statues de corail? Juste pour avoir des artworks dans la galerie. Et les bonus, et pour avoir 100% du jeu. C'est ça. Colis. Ça te dit que après le après qu'on ait vu la cinématique de la Red Goddess, c'est pour la fin du live, on regarde vite fait la galerie. Ok. Ouh, putain. On a Mars. En fait, genre, je les vois sur la carte. Oui, je peux rien, tu les vois sur la carte. Je vais voir la carte et on a Mars. Oh, Colis. Le Colis. Vous avez remarqué que comme j'ai plus beaucoup de vie, je peux pas sprinter longtemps. Je sais pas comment tu vas récupérer de la vie surtout. Je ne sais pas non plus. Mais tu vas pas genre juste avant passer par là ou c'est moi qui suis paumé? Non non. Si c'est ce qu'il avait oublié. Ah ok. Bah, je suis passé là-bas, mais j'ai pas eu le temps de. Pas le temps ah de oui vite. C'est oui c'est vrai. Je par là. Bon, en fait il y a le temps franchement. Oh oh. Oh. Ça c'est une petite araignée, c'est pas. Ça ouais, faut pas chier. Araignée, mais t'arrêtes pas pour tous les débrancher. Si. On doit débrancher. Je vais les libérer. Il y a une statuette là-bas, mais on peut pas récupérer. À part ça, je mets corps géant. C'est des corps nichons. Ah non. Ah bah si. Non. Ah bah non. Les collines de l'agonie.
Ah, mais c'est là-bas qu'on doit aller. Oh, charmant. Attends, j'adore comment ils disent le mot agonie à tort et à travers en ce putain de jeu. Le colonie de l'agonie, le prêtre de l'agonie, l'agonie agonie. Putain, tu m'as fait peur, gars. L'agonie agonie. Je te libère. Y'a pas un peu la barbe à la Kratos de. De God of War 4. Par contre, faut repasser par là, du coup. Le pire, c'est que tu. Bah oui, mais chienne, comment je repasse? Le pire, c'est que tu. Suis le. Regarde. Tu réapparais derrière moi, hein. Bah, du coup, tu peux pas me choper. Le pire, c'est que t'as genre clairvoyance aussi, hein. Ah! Comment tu t'es fait cul, hein? Par contre, je vais mourir. Mais non. Non, c'est bon. Bah, non, parce qu'en fait, j'avais plus de sprint. Mais le sprint est. Clairvoyance au pire, hein. Non, il va pas revenir, là. T'es en mode full rien à foutre. Mais je m'en fous que la voyance, c'est sorti, elle est là. Ah! Comme disait Exakil. Laissez-moi jouer. Attends, pas du tout. Lâche-moi le serpent. Ah, mais non, mais c'est de là que je viens. Mais pourquoi le jeu me dit d'aller là? C'est pas du tout de là que tu viens. Toi, tu viens du haut, mec. Non, parce qu'en fait, j'ai vu la croix verte sur la minimap et du coup, je me disais que c'était l'objectif. Mais bah, c'est l'objectif. Bah, c'est l'objectif, en fait. C'est l'objectif. Oh! Mini passage cinématique. Ah, bah oui, c'est là qu'est allée la succube. Bah, oui. En fait, là, tout, l'endroit où je suis allé, c'était juste un endroit facultatif pour avoir les statues. Pour avoir max statut, quoi. C'était un peu lazy as fuck d'ailleurs, hein, niveau statut, genre de les mettre tous au même endroit. Bon, détail. Ah! Oh, ça a ouvert! Oh, c'était un screamer! Putain, le manque de respect. Parce qu'en fait, c'est censé se modifier comme quand tu regardes, ouais. Et ah, du coup, fait, ça montre que la statue était derrière toi, et donc tu te retournes en mode elle sera derrière moi. C'est ça. Mais non, en fait. Ouh, l'arbre qui a le feu éternellement. Mes favoris. Oh! Oh bah ils ont pris leur temps pour faire l'effet, pour faire cet effet. Je passe. Putain, je crois que t'as rien qu'il le fera plus tôt, tiens. Moi j'ai surtout fini par croire qu'il le ferait jamais. Ah. Faut pas déconner. Le mec. Bon. Alors, ça, les flammes, genre, je trouve toujours ça hyper troll, genre tu sais quand tu fais boum, tu sais, puis tout prend feu instantanément, non, mais... au bout d'une seconde. C'est les logiques. Genre les G, tu toques à la porte, elle fait fou. Bien sûr monsieur, absolument, tout de suite. Tout de suite monsieur, pas de soucis. Ah, la physique non euclidienne. Et d'abord, statue. C'est bon, genre par terre, il y a des genre des pots en terre super normaux. Moi j'en ai pas du tout en enfer. Putain les mecs quoi. Tu sais, c'est pas parce que t'es une âme. Mes frères, ne perdons pas la raison. Terrible l'endroit dans lequel les hommes consomment la chair de leurs frères. Est-ce que la faim finira par nous pousser tous au cannibalisme? Mon Dieu, aie pitié des âmes de ceux qui ont été tentés par le diable, car ce lieu est le plus abominable de tous. J'ai comment perdu la... Pas. Ouh. Tout. Mais regarde devant toi quand tu marches, je sais pas. Oula. C'est pas un cacahuète, mais genre direct, quoi. Imagine, tu marches comme ça, mais tu gardes la vraie gravité. En fait, tu dois littéralement avec tes jambes sol. Mais y'a quelqu'un qui fait ça. Le grimpeur. Dio. Tu te souviens pas? Il garde pas la gravité, Dio, donc ta gueule. Mais si, mais tu te souviens pas? Bah oui, je sais qu'il fait en quand, mode genre. Quand il plante ses pieds tellement fort dans le mur. Mais oui, qu'il garde. Il monte le mur comme ça, oui. En marchant. Ah oui, dans son sens. C'est vrai que t'as pas tort. Il reste droit tellement il est musclé. Il fait tellement il a pas le respect, quoi. Et du coup, il monte comme ça. En laissant donc, des grosses traces de pieds. En vrai, faut vraiment que tu vois au moins saison 1. Parce que au moins, t'auras le beau Dio là-dedans. Tu vois, genre, t'auras Dio, ça va. Ah, mais non, du coup, il voit aussi la saison 2. Saison 1 et 2. La 3, parce que je comprends que ça peut être un peu long pour quelques heures, mais. Même si c'est une des meilleures saisons, à mon avis. C'est Jojo. Je crois qu'il te faut du coup un. Voilà. La lavier. Le chair. Ah, mais c'est un enfant. C'est un enfant. Crucifié. Il y a des crucifiés, putain. Un peu de respect. C'est un fils. Tu pourras pas dormir, Rémi, Dita. Non, tu m'as mis Kyo en tête. Je pourrais plus dormir. Kyo. Qu'est-ce que j'ai dit? Vraiment, Kyo est dans cette tête. Qu'ai-je dit, qu'ai-je fait? Des cornichons. Non, c'était toi. Non, ça c'est moi, ça c'est ma faute. Mais qu'ai-je dit, qu'ai-je fait pour que tu ne puisses plus dormir? Bah, apparemment, tu m'as mis Kyo en tête. Je sais pas ce que c'est. Kyo. Oh merde, tu m'as mis Kyo en tête. Dio, wow. Tu veux dire. Parce que Dio, ça m'a. Bah, oh, j'attire votre attention sur ce. Sur le style. Dio.
Muda. Rappelez-vous, mesdames et messieurs, de face à Dio, résistance is Muda. T'as chanté l'air de la dernière danse. Quoi? J'ai jamais fait ça. Si? Je crois pas. J'ai chanté l'air de dernière danse, ça quoi? Putain, mais ils sont enfermés. De Vogue? Bah oui, ils sont enfermés. Genre, le mec, ils sont pris que genre en enfer, et des mecs, ils sont enfermés. Mais attends, mais ils sont en train de se faire punir ici? Oh, thème! Thème? On a déjà vu cette animation. Bah oui, ils réutilisent. Ils roulent pas sur le fric, les mecs, hein. Tu sais que, à part ça, par contre, je suis plutôt de l'avis quand même de PL sur le fait, c'est quand même surprenant que des galets soient enfermés en enfer. Parce que, techniquement, c'est une prison. Donc, quand t'es enfermé dans une prison, bah, c'est que t'as fait quoi. De la merde, quoi. C'est ça, mais c'est ça, genre, c'est genre tout blanc enfermé, quoi. Bah, après, ça dépend. Peut-être qu'en fait, t'es plus en sécurité en étant enfermé en enfer. Alors, toi, j'ai en fait, compris, je en te fait, voulais ça pas. Se trouve, quand t'es enfermé en enfer, c'est parce que t'es là pour crime léger, tu sais. C'est ça. En fait, c'est parce que t'es là, genre, ouh, alors lui, tu le vois, le. Ah non, le bonus qui allait te faire un streamer, mais en fait, pas du tout. Coucou. Je suis ton streamer. Tu l'as sans doute fait sans t'en rendre compte. Bah ça doit être ça du coup, parce que là comme ça, ça ne peut pas le poids. Putain, le génie génétique que tu as. J'ai jamais pensé à faire ça. Oxygène. Putain, t'en as pas beaucoup hein, bref, vu ta vie. Ouais, t'en as pas. T'as intérêt à aller assez à vitesse, je t'avoue gentiment. Bah je vais trouver. Un petit quelque chose me dit qu'en fait tu aurais dû prendre le temps de bien respirer. C'est ça, Raymond, pour rester les portes de la tour. Ouh. Non, mais en fait, c'est juste que j'étais bloqué à une petite barre à cause de ma vie. Je pouvais pas sprinter longtemps et je pouvais pas retenir ma respiration. Là, t'aurais peut-être été mieux de crever que tu dois posséder un démon. Et hop, je récupère mes. J'ai récupéré ma vie. Aïe. Très bien. Mais. Tu t'es fait hardcore butette. C'est quoi qui fait mal? Ça y est, on est à la tour? Non, je parle. Lève la tête. Baisse les yeux, wesh. Ah ouais, on y est. On est plus de la tour. Bah écoute, faut apparemment. C'est quoi qui m'a fait la mal. Tour ça? Apparemment, il faut posséder un démon pour la détruire. Il faut détruire une tour. Mais ta grande mère, à chienne, c'est quoi qui me fait mal? C'est les seuls en fait. Je suis petit, j'ai mon. Certains éléments. Mais tu sais qu'à part ça, là ta tâche c'est de pousser un démon là, hein. Tu sais ça. Dans le sens, tu dois un peu crever au fait. À ce que j'ai compris. Ah, mais si, c'est ça en fait. Tu dois mourir pour après. D'accord, j'ai compris. Après, c'est que en. C'est pour ça que ça meurt plus vite, je pense, en restant dans le temps. Attends, avant de crever, moi, c'est juste autre chose. Moi, c'est juste un. Oui, mais c'est. Allez. Bah, si, ça fonctionne quand même. Je veux dire, pour posséder. Bah, après, t'as quand même des zones où tu te permets de genre de lâcher la possession. Hein. Oui, bon, ah, là, voilà. Bon, parfait. Il faut un endroit où tu lâches la possession, du coup. Ou alors tu restes buté. Ouh. Ou alors elle sait que tu vas la posséder et du coup elle se casse. La petite conne. Mais t'as vraiment du mal hein avec l'eau. Déjà il y a un parchemin ici. Il y a pas de chemin ici. Bah oui, mais il y a aussi des flammes. Je connais un passage. Et je connais un chemin. Un chemin. Voilà. Oh merde. Je suis encore blessé en plus, c'est trop rude. Je connais un passage, mon fils. Le double sens que tu ne connaîtras jamais. Je dirai rien sur le double sens de cette fois. Qui était beaucoup trop profond. On est pas bien ce soir. Hein. Hey monsieur RN, RL Shine. Terre dans la forêt, gère. La folie. Ah, je vois que c'est gère et pas terre. Désolation. Assaillie par gère. Des images que je ne peux plus ignorer. Alors que le vent porte le bruissement des feuilles, je n'entends que des os craquelés sous le sol que je foule. C'est ici que j'ai trouvé la source dans laquelle les prêtresses puisent leur puissance. M'étant servi de leur dans leur filtre, j'avance péniblement à travers la lande épaisse et sans... Quoi? Et sans... Ouais, non, et sans dose après dose. Et sans dose après dose, mon corps gagne en force. Bien que la forêt défile à travers mes yeux, je peux tout de même distinguer rêve et réalité. Je serai bientôt capable de conserver ce pouvoir illimité. Et ce, dans les deux mondes. Oh, le pouvoir démoniaque. Ouais, mais en fait, il a fait une petite folie des grandeurs, lui. Hein. Bon, ah, le mec, mais, il s'est déjà dit qu'il allait... Déjà, il s'est dit qu'il allait pickpocketer du pouvoir aux prêtresses. Mais en plus, il s'est dit qu'il allait pouvoir ressusciter
Et garder ce pouvoir dans le monde matériel. En mode genre, ouais, salut, moi, c'est ça son plan. Visuellement, ça va être ça quand même. Oh, tu dois les foutre le feu en fait. Allumer le feu. Allumer le feu. Allumer le feu. Le feu. Le feu. C'est le feu qu'il faut allumer. C'est toujours le feu qu'il faut allumer. Ça sert à rien. Ah bah non. Des fois, faut allumer la lumière. Ouais, en plus, j'allais le dire. En fait, quand je l'ai dit, non, je me suis rendu compte de la connerie. Et merde. C'est vrai qu'il n'y a pas que le feu. Ouais. Ou alors, tu peux aussi allumer quelqu'un. Fuck. C'est vrai. C'est rigolo d'allumer quelqu'un. Mais dans la vie, c'est souvent Rémi qui se fait allumer. Oh. What? Et alors, toi qui sors ta télébrette, qui que ce soit. De quoi? Et pourquoi? Je sais pas vraiment. Bah, je vais pas. Je peux pas vraiment dire pourquoi. Attends, je t'en parle après le live. De pourquoi j'ai fait cette blague. Est-ce que tu te fais maltraiter par... Non. Oui, je suis un homme battu. Un homme battu. Genre, est-ce que tu te fais maltraiter sexuellement alors? Genre teaser. Ah oui, tu veux. C'est de notoriété publique. C'est pour ça que je le dis. Ah. Mais est-ce que c'est du maltraitement? Bon, je vais mourir. Non mais... Poursuis la meuf, tu pouvais monter par autre part, non? Non, je peux pas. Oh, tristesse. Attends, tu veux que je sais, mais... Okay. Déjà, c'est hyper chiant. Parce que peut-être, on aurait dit qu'il y avait un chemin, donc bon... Bah ouais, mais en fait, non. Alors oui, c'est non. En fait, t'as raison, mais... T'as tort. Tu n'as pas raison. Là, elle est grimpée là. Ça. Ça commence bien. Bon, non, là, c'est juste moi qui suis pas doué. Oh, donc ça va, ça, on est habitué. Voilà. Va te faire mettre. Non mais je les connais enfin. Mais je sais. Moi aussi. Où le faisais-je? Où les connais-je? Elle est partie par là, elle. Ah du coup t'es pas. Tu peux clairement pas en faire. Je suis un peu fucked up, ouais, j'avoue. Bah du coup, ah regarde un peu dans la flotte, hein. Ou pire. Ou alors tu sais que t'as clairvoyance aussi. Ah effectivement, j'ai complètement oublié clairvoyance. Alors, c'est une douce torture que nous dites. Bah, une douce torture de se faire teaser, apparemment. Le mec, il sait ce qu'il nous occupe. Hein. Alors, je confirme, c'est pas tort, c'est pas doux. Hein. Est-ce que dans ce cas-là, c'est rough? Est-ce que t'aimes bien quand c'est rough? Ah, mais oui, c'est par là, je suis con, putain. Je sais pas. Les gars, c'est par là. Oula, ah ouais, on est aveugle. On est 100%. Mais en fait, je peux regarder la carte, je suis trop con. Aussi. Oh! Ce serait pas alors, elle est énorme, oh, statue what? De démon à poil. Alors, elle est au au demeurant. Hein. Salope, je veux te posséder. J'arrive. Qui sont ronds comme des ballons. C'est la chanson des beaux. Non, non, c'est tellement ça là pour le coup. Genre, c'est terrible. Hein. Quand on arrive au stop, t'es là. Vive les ballons. Salope, attends. Les gros ballons. Ils sont comme des ballons. Non, il y a un conflit d'intérêt là. Vive les gros ballons qui sont ronds comme des nichons. Du coup, en fait, c'est une chanson qui va en cercle. Pourquoi tu vois rien? Attends. Ah bah voilà. Je suis là. Voilà, il est temps. Oh merde, tu vois pas de démon. Ah, tu t'es fait fucker. Ah bah, continue. C'était où? Suis le chemin. Mais c'est qu'à part ça, vous étiez là en mode t'inquiète, on va pouvoir monter, etc. Mais je suis sûr, ah, que, mais non, là, mais je suis sûr que là, vous en fait, t'es vraiment, t'es vraiment obligé pour un niveau de la même taille que celui d'avant. Hein. Bon, on va go back. Hein. Back in time, come on. Mais non, vraiment? Back in. Mais en fait, il fallait que je conserve une torche, mais comment je fais? Ah, mais il fallait la lancer, putain. Bon, merde. Non. Bah... Ah oui, c'est vrai, t'as les démons bouffeurs. D'ailleurs, c'est marrant, tu le vois que quand t'es en mode âme. Ouais. C'est rigolo. Ouais, parce que c'est des... Ah, on va dire, spécifiquement des voleurs. Bam. Oh, c'est une... On a des nichons. Bon, voilà. Voilà, maintenant, il va continuer sa partie en faisant... Voilà, ce que je pensais. Yes. Ah, mais non, ok. Ah si, mais en fait, carrément, mais quand tu marches, ça me... En fait, c'est 10 fois plus risqué que 80% des jeux où t'es en première partie de meuf. J'avoue que c'est, ma foi, beaucoup plus réaliste que prévu.
Respect. Tu vois, respect. Comme quoi, c'est vraiment pas le sexe pour le sexe, hein. C'est le sexe parce que c'est enfer. Et enfer, ça débauche. La débauche, c'est bien. Non, je comprends pas trop le concept des deux barres de respiration. Genre, je sais pas trop laquelle correspond à quoi. En fait, la bleue, c'est la respiration, la rouge, c'est le. Pour du sprint. Tu vois, ouais, là, je sprint. Et là, je ne sprint pas. Là, je sprint. Et du coup, en fait, les deux ont un symbole. Et je ne sprint pas. Des poumons, parce que ta mère. Et j'avoue qu'ils sont pas fichés. Oh, le budget. Bah, hashtag le budget, quoi, ouais. Pas de téton, pas de Levi. Pas de Levi. Ouais. Parce qu'elle, elle sera de seule. Ok. Pas de Levi. Ah, pas de vie. Oh. Mais en fait, est-ce que du coup, Levi, c'est le husband de Ita? Ça, il faut poser la question à Ita. Ita. Je ne vais pas m'avancer là-dessus. À choisir entre. Rendez-moi mon husband. Entre. Et du coup, je dois prendre ça. Et le jeter là-bas. Et l'acheter. Entre. Et. Yo. Levi. Oh le respect. Par contre, il y avait clairement pas la longe. Il n'y avait qu'une seule faille. Ouais, alors juste que t'as petit muscle. Ah carrément pas. Ah, elle aime pas Levi. Oh, je suis choqué, déçu. Bah, du coup, il y en a une là en fait. Non mais c'est pas une torche. Hein. Ah c'est pas une torche. Ah mais c'est. Levi. Ah carrément pas. Ah bah est-ce que c'est Eren? Non mais Eren, personne l'aime. Eren c'est juste un fragile qui gueule tout le temps. C'est ça. Putain en fait, Eren et Shinji de. Evangelion. Donc là, faut clairement pas que j'aille là. Sinon, je vais mourir. Genre, Eren Shinji, c'est d'Evangelion, c'est le même personnage. C'est un mec chiant qui a genre une émotion chiante, soit la rage, soit la déprime. Fragilité, c'est ça. C'est tout ce que je peux dire. Et genre, qui pourrait styler et devient un truc géant qui pète des mers. Genre, c'est 100% ça. C'est un peu ça. Ok, alors Husbando de. Dans les deux cas, putain, vrai, de père psychopathe. Aucun Husbando. T'es sérieux? Mais comment il s'appelle C'est par là, mais comment je fais? En vrai, ça fait la lumière pour t'éclairer. Bah oui, mais faut comment je l'amène? Non, mais la lumière de ton. Non, mais en fait, faut le feu. Mais, non, mais c'est clair. Vas-y, je te jure, essaie. Non, faut foutre le feu, gars. Laissez-moi jouer. C'est clair, bien. Non mais faut foutre le feu, vous êtes sérieuse? Mais y'a pas de flamme. Il a jeté la torche dans l'eau. Ah Burke. Oh mais t'as oublié les détails, okay. Toi. Ah ok, alors quoique la petite flamme, la petite flamèche, y'a pas moyen de la récupérer. Non. Dans Jojo partie 5, Giorgio Giovanna. C'est 100% ce bando, je suis désolé. Bon les gars, pouvez-vous utiliser vos cerveaux, non pas pour débattre là-dessus, mais pour qu'on puisse passer ce niveau? Bah prends le portail qui s'est ouvert. C'est pas un portail. C'est pas un portail. On prend la torche et genre au lieu de faire le con avec, au lieu de lancer genre là où c'est clairement pas possible, bah. Lance là où c'est clairement possible. Alors déjà là maintenant faut que j'arrive à passer. Ah, j'ai entendu des écouteurs de Rémi dans mon oreille, c'était très étrange. Voilà, ok, j'y vais comment? C'était très bizarre. Tu peux pas genre rester au-dessus de l'eau? Genre vraiment forcer quoi. Ah mais tu peux maintenir enfoncé pour la lancer plus loin. Oh mais putain comment on est des cons. Il a fallu que le jeu le dise en fait, hein, parce que je le sais. Ah oui d'accord. Il a compris que j'étais paumé. Moi c'est pareil, hein. Moi j'aurais jamais su. Ok, bah maintenant c'est possible. Tout ce qu'il faut. Ah, du coup maintenant en fait il te fait même pas faire comme toi, comme tu voulais. Non parce qu'il y avait des branches partout donc c'est plus rapide comme ça. Okay. Déjà plus... Mais rentre pas dans le feu. Ouvre fou. Non mais le mec il est en mode suicide. Bon je vois bien que ça fait pas grand chose mais rentre pas dedans quand même. Mais je suis pas en mode suicide là. Ouais, le mec genre il voit une forêt en feu. Oh je vais y aller. Mais... Non, mais y a c'est l'animation du truc qui brûle. Non, mais ça le truc qui brûle, c'est carrément feu. Ah, c'est le même truc en or. C'est le même truc en or. Tu vois le nombre de statuettes derrière? Hein? Le nombre de statuettes ah, derrière. Mais en fait, c'est ça au début du jeu. Comment on fait? Sur quoi? Regardez le nombre de statuettes. Oui, mais il y avait ça au début du jeu aussi. Ouais. Bah, on peut y aller, je pense, que quand on a débloqué un certain objet ou je ne sais quoi. Je pense aussi. Vive les démons. Oh, bonheur. T'es peur de ça, comme des. Attends, mais regarde au moins la. Pardon, donc, c'est juste que je suis gentil. Le mec, il ignore je le style. Je suis désolé. Quoi. Oula, regarde vers le haut aussi, parce que mais franchement. Mais oui. Il faut tout voir, quoi. Toi,
Toi, tu prends pas le. C'est absolument pas le cas. C'est juste que vous arrêtez pas de me presser comme quand on a arrêté le stream et de partir à la Red Goddess. Du coup, je me presse, c'est tout. Non, mais moi, j'ai. Alors, déjà, demain, j'ai dit une fois parce que je crois qu'elle allait arriver maintenant. Alors, on va se calmer tout de suite. Attends, t'as dit qu'on n'arrête pas de te presser, pourquoi? Pour la Red Goddess. Parce que ça. What the fuck? Non, mais moi, ça fait une demi-heure que je dis que c'est une connerie et qu'en fait, ça va être un niveau de la même taille que celui-là. Ouais, mais, ah, oui, mais ses fesses font vraiment n'importe quoi. Oh, regarde ses fesses! Pourquoi elle vient pas de chercher? Mais je viens de te dire, mais moi ce que j'ai dit, les fesses de ces démons là, c'est des fesses en mode vibreur. En mode vibreur. Est-ce qu'elle va se laisser faire? Bah, bien sûr que non. C'est un démon quand même, faut pas déconner. Fesses. Personnage qui hésite, tu sais, en mode genre. Est-ce que je veux des bonnes fesses? Je veux des bonnes fesses. Pouf le. Miam 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 miam. Pouf le. Elle a l'œil pour ça quand même, hein. Tu sais, franchement, je ferais le pire démon en fait. Vous avez télékinésie. Oh, putain, encore un truc de. Bouffe-le. Je voulais un martyr. What the fuck? Mais on a enfin des pouvoirs. Alors, ça qui est dehors. Là, c'est la branlette. Là, c'est quand même sur ça. Par contre, c'est des damnés, hein. Oh, nice. Du coup, c'est fait, clairement des damnés. Du coup, en fait, tu dois bien juger entre genre les damnés que tu prends. Ah, je déteste ces déplacements. Parce que t'es lent en même temps. Ah, mais du coup, t'as stamina infinie. Mais laisse-le. Il brûle pas. Mais bon, on s'amuse, non? Ouais, mais. Et si jamais tu dois revenir avec un autre damné, qu'est-ce qui se passe? Hein? Attention, ils vont faire un démon. C'est ça. Pourquoi j'irais reprendre un damné? Maintenant j'ai un démon. Ouais, mais je vais tomber dans un démon de mort. Je vais tomber dans un démon de mort. Soit. Télékinésie. On a pas le droit de s'amuser. Télékinésie. T'es sérieux? Bah, c'est pas moi qui. C'est pas un bouton là. C'est pas un bouton que tu utilises. Bah télékinésie. C'est pas c'est clic droit. Z. C'est Z. Non. Pas du tout Z. C'est télékinésie, ça c'est un mob. Genre celle qui explose la porte, c'était laquelle? Ah ouais, c'était bien pas la même. Putain. Oh nice. Ce moment où Goku découvre qu'il peut faire des Kamehameha, mais genre. Comme ça au bol, tu sais quoi que non. Genre, c'était plus un. Putain. Merde, le truc de rayon. Ah merde, elle a pas accepté Hadoken, de se faire Hadoken. C'était plus un Hadoken. Genre, c'était vraiment le solide. Hadoken. Mais c'est quoi c'est quoi ces démons Made in China là? Genre, le truc qui fait deux trucs. Mais maintenant, faut que t'en trouves un peu. Ah, mais je crois qu'on est obligé de choper un damné. Hein. Oui, ah, mais encore un moment du trailer d'ailleurs. Prends damné, hein. Sinon tu vas voir, tu vas voir, meuf, tu verras. Allez, on va prendre la meuf. Bonjour madame. Give it to me. Boobies. Ah yeah. It is the good times. Lord. Ils sont en vie. Ceux qui ont foi dans le sens seront les premiers en vas-y, montre-moi cette tour, bordel de merde. Je veux voir la reine, en plus on est tout près. Tu penses qu'on est tout près? Bah, tu raison de plus pour prendre notre temps. Non, mais on commence l'ascension de la tour. Je vais changer ma phrase. Il est 57. Ok, j'y vais. Ah. En vrai, non, ah putain, il était peut-être temps, les gars. De quoi? On peut enfin le faire. Vision d'âme. Ah bah parfait. Pourquoi on regarde la table? Ah, c'est juste une lettre. Les forêts environnantes absorbent la plupart de nos déchets. Je me délecte de voir les manœuvres abattre sans le savoir des arbres irrigués du sang de leurs frères. Grâce à ce que je peux prélever d'eux, j'érige petit à petit une forteresse en l'honneur de la déesse, perpétuant le cycle de vie et de mort de centaines de martyrs morts dans sa construction. Les femmes vont jusqu'à rincer les robes de leurs enfants dans des ruisseaux charriant des restes de leurs maris. Quel bonheur de voir ce qui est invisible aux autres. C'est rigolo quand même. Ah, donc en fait là t'as la vue de la déesse, clairement. Oh là 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 là. De quoi? Une statuette. Oh putain. Oh, bon, merci. Nice. Ouh, celle-là en plus c'était une Iron Maiden.
C'était une... Alors attends, pourquoi ils m'ont dit de... Ah, parce que ça disparaît. En fait, c'est pas une vision, la DS, c'est juste genre de la dimension, la DS, en mode genre, c'est pas là, quoi. Mais... Ah, c'est comment ça, en fait. D'ailleurs, cet effet est très marrant à faire en... sur Unreal. Et très en fait, c'est la lanterne qui me permet de dissiper les illusions dans The Witcher. Attends, c'est une lanterne ou c'est un médaillon? Fidèle serviteur, écoutez-moi. Ah, ils sont morts. Je crois que c'est The Witcher 3. Hmm okay. C'est l'essence du sorceleur. Oui, non, pas ça. C'est une lanterne ou c'est un médaillon qui te permet de dissiper les illusions? C'est une lanterne. Oh, regarde au sol. Will you join us, sinner? We can see much more from this height. C'est vraiment stylé. Elle arrive. Oh, la rune, je sais pas ce que c'est. Non, mais ah bah, coup, c'est non, la fameuse. Tu dessines. C'est tout simple. Et après, tu t'assois. C'est pas celle-là. Pas forcément celle-là. Ah, c'est la dernière que t'as utilisée. La ruine d'innocence. Mais non, mais du coup, c'est pas ça. Ah, toi, tu vas comme ça. Dans le doute. Peut-être que tu peux lever le doigt. C'est pas ça. Au pire. Alors. Du coup, bah, t'as forcément une ruine à côté. La porte. Un truc comme ça. Non, mais utilise tes sens du coup. Non, mais regarde. Il y en a un qui. Ah, il y en a juste une là en fait. Surtout, regarde lui ce qui pointe. Genre, littéralement. Regarde le mur. Regarde le mur. Ah, bah déjà. Le mur. Ah, bon. Hé, calmos, calmos. Ah, je suis calme. Je suis calme, putain. C'est minuit. Et voilà. Observe. Ah, mais c'est la roue. Eh bah, le stream va durer un peu plus longtemps. Et puis, ouais. Bon, je vais récupérer la statuette qui manque là. Non, j'ai quand même. Ton mec, il y en a rien à foutre. Alors. Vas-y. Peut-être que tu peux lever le doigt. Et bah j'ai pas envie. Mais bah voilà, preuve que ça a pas marché. Bah voilà. Hein. Ah, ça va être stylé, mais après, après voilà. Mais ah, peut-être c'est pas ça. Peut-être qu'il y en a d'autres. Tu penses qu'il y en a d'autres? C'est une possibilité. Bonjour. Ah, vous êtes vendu. C'est rigolo. Bah déjà, hop. Il y en a partout, ça veut rien dire. Mais je crois que genre d'un niveau. Une par centimètre carré. Dernier niveau, il y en avait genre bien 25. À part ça, c'est forcément celle-là, c'est moi qui la dessine mal, non? Bah, genre fais un cercle et genre au lieu de faire le con avec ton doigt là, fais juste un cercle, après genre tu te lèves le doigt et tu fais les croix. Bon, ok, c'est autre chose alors. Non mais mec, c'est bon, c'est pas ça parce que genre c'est assez. Ça pardonne assez vite. Alors, bon, peut-être qu'il faut dessiner ce truc là. Mais non, ça j'ai déjà essayé, non. T'es sans le sorceleur. Au pire. Oui, par contre, oui, j'avoue, regarde carrément le truc avec la vision. C'est le même signe, ouais, d'accord. Bon, regarde dehors au pire, parce que j'aurais moins de regarder la vue. Y'a pas de symbole ou quelque chose comme ça? On dirait pas. Oh, chou. Ah, ma foi, je vais avancer comme ça. Ah, voilà. Ah, bah voilà. Mesdames et messieurs, nous l'avons. Ça, c'est hyper boucles, chiant de garder Z enfoncé par contre. Ils ont fait quoi avec les boucles? Ils ont mis des. Genre, ils devraient permettre de pouvoir simplement taper sur Z et ça te met le truc. Parce mais que c'est que sinon, à part ça. Genre, regarde sur map, tu sais. Quoi? Mais tu sais que sinon, t'avais pas besoin de. Genre de. Tu veux te déplacer et mettre la vue? Ouais, mais moi j'ai envie de me déplacer avec la vue, non? Ah, bah, peut-être que tu peux aussi remap au pire le bouton. Ouais, je pense que tu peux le. Ah, voilà. Ouh! C'est de plus en plus convivial tout ça. Partout. Ah, mais c'est la prêtresse qui est juste là, je crois. Le calice! Le calice. Le calice. De Dieu tabernacle des calices. Oh. Ah, non, je dis, ouais. En fait, c'est son frigo ça. Ah, c'est un petit peu de cheminée. Ah, je sais pas, juste un frigo et je eh bien, mesdames, messieurs, vous êtes oui, prêts? Êtes-vous prêts à rencontrer notre créateur? Ou alors juste une prêtresse. Parce que vu la queue de la meuf, j'ai. Oula. Ou c'est un gros méchant. Fais pas le con, rush-by. Non, ok, je peux rien faire. Ah, tu caches sur la table. Je crois qu'on va avoir du sexe devant toi. Ouais, vas-y, bah, je crois qu'il allait s'asseoir en mode genre bon, bah écoute, c'est l'heure de dîner. Hein. Ouh, beau pied quand même. Les patous, il va revenir en mode. Ouais, screamer, mec. Le screamer il va arriver. A tous les coups. Très bientôt. Ah non, c'est bon. Non, le screamer il va plus tard, je pense. So big and strong. La... He's afraid of a woman. Do I make you ashamed, my dear? You see. Oh, les talons, putain. Ah oui, c'est non, mais les pieds d'avant, ça j'adore.
You differ in appearance, but you share the same animal instinct. Où est-ce fait la peur? Why don't you stop chasing after women and enjoy the pleasure of suffering, just like other beasts? Si je puis me permettre, vous êtes très bonne. C'est tout le but, hein. Ouais. Votre robe, hein. Qui a du mal à rester. Oui, pas éthérique, ouais, pardon. Regarde pas à gauche. Hein. T'as ta déesse dans les yeux, donc tu te regardes la déesse, ok? Hey, regarde. Oh putain. Mais y'a rien qui se passe là, au fait. Est-ce que je peux poster ça sur le Discord? Oui. Mais je dois le poster dans un NSFW, tu crois? Préférablement, quand même. Bah du coup, c'est chiant. Bah on censurera et puis ouais. On censurera, ouais. Bah c'est bon, tu l'as dans les fichiers. Peux-tu réellement me sauver? Bah clairement. Genre, non mais on s'en sauve pas, vive la déesse. En fait, aucun des deux n'est une bonne solution, parce que peux-tu réellement me sauver? Comment ça, enfin, tu doutes de ses pouvoirs, libère-moi je t'en prie, elle va te rironner. Aucune n'est une bonne solution. Peux-tu réellement me sauver, hein? Genre, vive la déesse, quoi. Après bon, toi de voir. On a deux avis différents, donc toi je veux dire. Voilà, j'en étais sûr. Ah bah oui, bah oui. Only a madman could go to all the trouble to meet me without the least help. You see, I'm above everything you believe in. The damned daughter of an infinite father. Satan. The one who brings balance into the damned relationship of blood and love. Oh, I feel how you're trembling with fear. I must admit you can ruin Elle va nous faire sauter. Ah, 100%. But you know what? I'll give you one more chance. You see that huge tree in front of us? En fait, le mec, il a vraiment une gonfle dans la main et un fromage en mode. It's your goal. The holy trail of blood. Let us meet there. And I'll return you to the world of the living. Run. Tear apart anyone on your path. And now, fly away. Fly. Let yourself be carried by the most primitive instincts. Let blood lead you. Let my kingdom shake in the face of your power. C'est genre parce qu'on voit pas toute sa forme en fait. T'as elle est... Ah non, même pas mangé par le... Ah, c'est son élève de compagnie. Oh, on s'est fait empaler là, non? Ah, on s'est fait prendre par... Ah, on est mort. Bon. Ouais, prends le démon. Est-ce que vous voulez arrêter là? Ou alors on... Ah.